spectacle mémorable, Rire et Boule. Premier spectacle mémorable que j'ai fait ou j'ai vu ? Que tu as vu. Que j'ai vu ? Jamel Comedy Club. D'accord. C'était quand ? Tu t'en souviens ? 2014. Ok. Ouais. Premier gros cachet, Pélagie ? Le cacao. Ok. Ah ouais, on ne demandera pas c'était combien, mais bon, on retient je que c'était Je ne dirais même pas, mais c'est le premier plus gros. Ouais. C'est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Donc tout ce qui est lié à cacao, s'il n'y a pas d'argent, il y a un problème quand même. Ça, ouais. C'est clair. Parfait. Premier commentaire désobligeant dans un rôle d'acteur. Bess. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Ouais, on m'avait traité de... De ça, quoi, tu vois. Parce que j'arrêtais pas de faire un peu de... Comment dire, me déguiser beaucoup, on m'a pris pour un travesti. Ok, d'accord. Avec des mots durs, j'imagine. Puis après, ils ont compris que c'était juste un personnage. Ouais, c'est ça. Puisqu'aujourd'hui, tu as une casquette à l'envers. Ouais, je fais tout. On peut te prendre pour un grand hip-hop aussi. Et tu as une robe, donc ça peut... Bon. C'est très décalé, tout ça. Une robe. Premier rôle dans une production cinématographique. Je sais pas si je dois dire ça, Sandra ou Christelle. Oui, je pense, c'est ça. C'est ça. Ça, Sandra. Oui. Ça s'est bien passé? C'était difficile. Ouais. Dans quel sens? C'était difficile pour moi d'incarner le rôle, parce qu'en réalité, je ne suis pas vraiment timide comme les gens pensent. Mmh. En réalité. C'est vrai? En réalité. Non, moi, je peux témoigner. Hein. J'ai pas compris. En réalité, tu es timide ou t'es non, pas en réalité, timide? N'est pas timide. En réalité, je ne suis pas timide. Ouais. Là, à force d'incarner... Tu as dû prendre quoi? Tu as pris un sédatif pour calmer un peu tes nerfs ou comment non, ça non, c'est... le truc, c'est se donner un petit genre quand même. De... Ah, qui prend quand même, ouais. Ouais. De femme... très calme, qui accepte tout, mais en réalité, non. Ta première frayeur, Ré ? Première frayeur, dans un tournage ? À toi de voir. C'est un film d'action qu'on a fait dans une prison. Et on a tourné dans une vraie prison, en activité. Mmh. Et je me suis retrouvé nez à nez à un moment donné avec des vrais prisonniers. Ok. Donc j'ai cru qu'ils allaient me foutre dans la cellule. Ah bon? Mais c'était ma première grosse frayeur parce que c'est impressionnant de tourner dans une prison. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas envie d'être à leur place, quoi. D'accord. Ça me fait passer du coup à ce gars qui avait l'habitude d'enjamber un arbre de mangue pour cueillir des mangues. Mais c'est un arbre qui jouxte la clôture d'une prison. Et un jour, par inadvertance, la branche... Bim, et le gars, il se retrouve dans la cour avec les prisonniers. Et à lui de justifier maintenant qui ne fait pas partie de les gars. C'est compliqué parce qu'il n'avait ni sa pièce d'identité, il était torse nu et tout. Il a passé 24 heures, vraiment. Belle histoire. Bon, belle histoire. On peut peut-être camper ça dans un film. Ça a été quoi, Pélagie, le premier obstacle dans l'exercice de ce métier ? Le premier obstacle... Est-ce que j'en ai vraiment eu ? Je ne sais pas. Parce qu'en général, quand je dis oui, je mets vraiment tout le cœur. Donc du coup, non, j'en ai pas vraiment eu. Désolé. D'accord. Mais c'est peut-être un premier rituel avant un tournage ? Le rituel, je crois qu'il faut que je m'isole un peu. Avant, c'est tout. C'est tout, hein. Ouais. Sans plus. Première actrice admirée. Ici. Ou acteur. Ouais. Ici. Peu importe. Moi, c'est Adrienne Couton, que j'admire beaucoup. Ok. Ouais, beaucoup. Question voilà pour Ré. Premier acteur admiré. Bienvenue, Neba. Ok. Tu le lui as dit personnellement ? Oui, parce que c'est la seule occasion que j'ai eue de jouer avec lui pour ce film, pour Netflix, justement. On était tous les deux partis au Sénégal. Et j'ai appris beaucoup de choses en quittant la Côte d'Ivoire avec lui pendant un séjour de 3 semaines au Sénégal. Et j'ai appris à connaître sa personnalité vraiment et à connaître ses talents et à apprendre encore beaucoup de choses sur l'actorat grâce à lui. Et je lui dis encore merci. Premier acteur détesté. Ici en Côte d'Ivoire ? Je sais pas, un peu importe. Comme en Chine, je sens un petit mauvaise ouais. Venir en fait. En Chine, Jiang Yong, ouais. Qui n'existe pas du tout. Non, première action. Jolie façon de te défiler, ouais. Ça. Est-ce qu'il peut dire quand même ? Pense à ton avenir, non, en fait. Pense dire, à ton avenir, surtout. Peut-être qu'il y en a pas. Détesté, j'en ai pas. Ok. Non. Christelle, premier acteur ou actrice détestée ? En fait, c'est le problème. Même si c'est détesté, je ne peux pas. Ah bon, pourquoi ? Ah, tu ne peux pas détester ici. Il y a sur un pied. C'est un peu dur. Ah, c'est un peu dur. Bon. Ouais, c'est peut-être peut le dire. Oui. Ah non, plutôt celui que j'admire. Non, moi, c'est détester là qui m'intéresse. Il n'y en a pas, en fait. D'accord. Pélagie ? Moi, comme tout le monde, enfin, comme les gens de notre génération, c'était plutôt JR et Wing qui, après. Dans quoi ? Dans Dynasty ? Je peux me permettre de le dire, oui. Ouais. Non, c'est Dallas plutôt, non ? Dallas, ok. En fait.
Pardon? Tu détestes bien dans la vie, le rôle. Tout à fait, justement, je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai mis ça sur le fait de la naïveté quand j'étais. Non, après. D'accord. Revenons sur Terre. Le pays a su un pied, disait quelqu'une. On ne le citera pas, puisqu'il ne faut pas citer sur ce plateau-là. Là. Donc cette personne. Là, peut-être hors antenne. OK?